Ils sont tous militantes et militants du parti du cheval blanc cabré. Ici, dans cette salle du palais des congrès à Cotonou, ce samedi 19 novembre 2022, Bloc républicain présente et investit de façon solennelle ses candidats aux élections législatives du 8 janvier 2023. Investi candidate du parti Bloc républicain à l'élection législative du 8 janvier 2023, déclare solennellement de me comporter partout en digne représentant du parti Bloc républicain et de travailler pour la victoire du dit parti. Bloc républicain plus uni, plus fort pour construire le Bénin. Contrôler le perchoir de l'Assemblée nationale, c'est l'objectif du parti Bloc républicain. Les responsables saisissent l'occasion pour présenter les ambitions de cette formation politique lors de ces élections. C'est à présent que le plus dur commence. Cette victoire finale que nous appelons de tous nos voeux sera possible grâce à une série d'autres victoires intermédiaires, notamment la victoire sur nous-mêmes, sur nos frustrations, nos égos, nos doutes et sûrement nos certitudes. Elle dépendra de notre détermination, de notre engagement et surtout de notre soif de la victoire. Aujourd'hui, certains ont la direction de ce Parlement. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons le 8 janvier. Nous voulons le 8 janvier leur avis cette place. Cela donc demande des efforts, des sacrifices et un engagement que je sais que chacun ici veut prendre. Enfin, au nom de tous les membres du comité préparatoire et en mon nom propre, je souhaite bonne chance à tous nos candidats. Une seule invite, ramenez-nous le perchoir de l'Assemblée nationale au soir du 8 janvier 2023. Le Tout-Puissant nous accompagne. Vive le Bloc républicain, plus uni, plus fort, pour construire le Bénin. Je vous remercie. Le parti a aussi décidé de décerner des certificats d'honneur aux candidats d'honneur que sont les ministres, les députés et les membres du bureau exécutif national qui ne sont pas positionnés sur la liste pour les législatives.